tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ces très jolis bonnets. Donc là, j'en ai un, j'ai mis le blanc pour initier la vidéo. Donc celui-ci, en fait, ce bonnet-là que je vous présente aujourd'hui, c'est le bonnet qui va aller parfaitement avec le col tressé que je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Vous me l'avez demandé énormément, ce tutoriel. Donc vraiment, désolé pour le retard, c'est que chaque fois, il y a des projets en cours, etc. J'ai pas pu vous le faire avant, mais voilà. Là, je vous le propose, vous pourrez faire votre ensemble. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des bonnets, en fait, où on fait des diminutions en haut. Légèrement à chaque fois, hop, pour que le bonnet reste avec une forme splendide sur la tête, pour pas avoir cet effet tout froissé en haut que j'aime pas du tout. Donc là, c'est vraiment progressif et du coup, on a ce joli résultat. Donc voilà, alors ici, il est blanc et c'est un blanc très très irisé. C'est vraiment des couleurs spectaculaires, elles brillent. Donc ce sont les nouveaux pompons qu'on a ajoutés à la boutique. Je vous avais fait une vidéo dernière fois, ils sont géniaux en fait. Hein. Comme vous pouvez voir, ils sont tous soyeux. Enfin, je sais pas, j'adore. Donc, là, c'était le blanc. Maintenant, je vais passer donc au rose. Vous pouvez le faire en pleine couleur. Ça va faire hyper joli. Vous pouvez gâter votre entourage. Donc, je vous montre de derrière. Donc, voilà le deuxième bonnet. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que le projet d'aujourd'hui, bah, ça vous plaît. Et sur ce, on peut passer donc au pas à pas. Pour réaliser ces bonnets, vous allez avoir besoin donc de laine The Queen. Donc c'est une laine extraordinaire, elle brille en fait, elle est vraiment très belle. Elle est d'excellente qualité. Je vous invite à aller voir dans le site en fait, vous allez voir de quoi elle est composée, tout en fait. Donc voilà, vous avez énormément de couleurs d'ailleurs pour faire ce bonnet ou d'autres modèles. Donc ici j'ai crocheté tout le bonnet avec un crochet 4 mm. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine. Et puis d'un marqueur si vous êtes débutante, d'une paire de ciseaux et évidemment de jolis pompons. Donc vous en avez énormément sur la boutique. Je vous ai fait une vidéo en fait où on les voit très très bien de près il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a deux vidéos, quelque chose comme ça, je l'ai publié. Donc vous pouvez si vous voulez aller les voir en réalité. Donc voilà ce qu'il vous faudra. Donc trois pelotes de laine The Queen. Tous ces matériaux là vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. N'oubliez pas qu'en commentant cette vidéo, en étant abonné à la chaîne et en aimant cette vidéo, vous participez automatiquement pour remporter un chèque de 20 euros. Donc voilà, c'est trois choses complètement gratuites qu'il faut faire et je vous les ai notées dans l'écran et vous participez pour 20 euros. Il y a exactement la même chose sur la page Facebook. Je vous invite à aller nous voir en fait sur notre page Lydia Crochet Tricot. Et vous allez voir que vous pouvez également, juste en commentant, partageant et aimant la publication, vous pouvez remporter également 20 euros de l'autre côté. Donc vraiment, je vous recommande d'aller sur les deux plateformes et puis de tenter le coup. Ces deux jolis bonnets, je vais vous les offrir. Tout simplement, on mettra un bonnet dans un colis et le deuxième dans un autre colis. Donc pour participer, pour pouvoir les recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce joli bonnet jusqu'à la date que j'ai marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort deux numéros parmi toutes les commandes et ça sera donc ces deux personnes qui recevront chacune un bonnet. Donc les couleurs, etc., ça sera un des employés en fait. Ça sera vraiment la main innocente. Donc voilà, bonne chance à tous et à toutes. Pour faire ce bonnet pour toutes les tailles, c'est très facile. Regardez, je vais vous montrer. Donc en fait, ici, vous montez le nombre de mailles qui soit multiple de 4 qui fassent le tour de votre tête. Donc ce soit pour un enfant, un adolescent, un adulte, un homme, peu importe. Une fois que c'est bon, comptez bien quand même, voyez un centimètre de marge pour pouvoir après avoir de l'aisance. Ensuite, une fois que c'est bon, vous travaillez au point élastique. Si c'est pour un adulte, moi j'ai fait 6 rangs. Si c'est pour une adolescente ou un enfant, faites-en un petit peu moins. Vous voyez à vous de voir comment vous voulez proportionner en fait le point et le point élastique. Donc ensuite, pour un adulte, on va travailler 14 cm et demi avant d'attaquer ici, avant d'attaquer les diminutions. Les diminutions mesurent au total 2 cm et demi pour toutes les tailles. Comme elles se font à l'identique, elles mesurent la même chose. Donc, admettons, si vous voulez un bonnet, je ne sais pas moi, au total, par exemple, celui-là, il mesure 22 cm de haut. Donc, si vous voulez un bonnet, par exemple, pour un enfant et que vous voulez que 19 cm d'hauteur, eh bien, tout simplement, vous vous arrêtez quand ça fait au total de là,
jusqu'à la 17. Et comme ça, vous saurez que... Enfin, 17, 16 et demi. Et comme ça, vous saurez que quand vous allez crocheter les diminutions, vous allez obtenir vos 19. Si vous, pareil, si vous voulez n'importe quelle hauteur, comptez bien que les diminutions mesurent 2,5 cm pour toutes les tailles. Donc tout ce qui est les mesures d'un bonnet, combien on doit mesurer d'hauteur, etc., vous avez juste qu'à taper, c'est tout simple sur internet, mesures basiques d'un bonnet, et vous les avez toutes. Donc voilà, pour toutes les tailles. Donc ne vous cassez pas la tête, c'est complètement gratuit, c'est sur internet. On va commencer le bonnet en montant 80 mailles en l'air avec le crochet numéro 4. Maintenant que c'est fait, on va venir la tenir bien droite, donc cette maille chaînette là. Donc multiple, très important, le point doit être de 4. Donc vous faites une maille chaînette multiple de 4 qui fasse le tour complet de votre tête et comptez bien à peu près 1 cm de marge puisqu'avec le point élastique, en fait, ça va venir se resserrer. Donc maintenant, on compte 1, 2 et 3. Donc on fait 3 mailles en l'air après l'union. Et on va venir travailler tout le rang en bride individuelle. Donc dans toutes les mailles, vous faites une bride individuelle. C'est vraiment tout facile, le rang numéro 1. Donc on va commencer le bonnet par le point élastique et ensuite on passera au point tressé. Je suis vraiment très contente de vous faire ce tutoriel puisque vous me l'avez demandé vraiment beaucoup de fois depuis que j'ai fait le col en fait, d'avoir un bonnet avec le même point. Donc on continue. Donc si vous préférez, vous pouvez prendre la laine bébé, pourquoi pas. Moi j'ai trouvé juste absolument magnifique les bonnets avec cette laine The Queen, mais bien sûr chacun ses goûts. Je suis sur le point de terminer, donc là on compte 1, 2 et 3. Et dans la troisième maille en l'air, vous piquez et vous faites une maille coulée. Maintenant on passe au deuxième rang, donc on va travailler ici au point élastique durant 6 rangs si vous le faites pour une taille adulte. Enfin moi j'ai choisi 6 rangs. Si vous faites par exemple pour une taille plus petite, par exemple enfant, n'hésitez pas à faire 5 au lieu de 6, vous voyez. Donc on commence toujours pareil. Les 3 mailles en l'air ici de départ, vous les enveloppez en relief par devant. Et vous faites une maille coulée. Une fois qu'on l'a fait, on monte avec 3 mailles. Maintenant, vous allez venir travailler en alternant une bride en relief par derrière, une en relief par devant, une en arrière, une par devant. Donc la prochaine... en arrière, la suivante en avant, la suivante en arrière, la suivante en avant, la suivante en arrière, la suivante en avant, et vous alternez ainsi, vous voyez, jusqu'à terminer votre rang. Vous allez voir que l'astuce d'envelopper les 3 mailles en l'air de départ, en fait, vous allez voir que le point élastique est en continu, donc du coup, ça fait juste trop joli au moment de la finition. J'ai complètement terminé. Maintenant ici, vous voyez, j'ai terminé par une bride en relief par derrière. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, on fait une maille coulée. Maintenant, on va venir passer au rang suivant et c'est celui vraiment que vous allez venir répéter en permanence. Vous enveloppez toujours au départ les 3 mailles en l'air du rang précédent, en relief par devant, et vous venez faire une maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. La bride suivante, vu qu'elle est en relief par derrière, vous pouvez la voir, elle est enfoncée. Ça veut dire qu'on doit continuer de la prendre en relief par derrière. La suivante qui est en relief par devant, vous voyez, elle le sort vers le devant. Vous la prenez en relief par devant. Donc vous allez crocheter comme ça se présente, jusqu'à terminer le rang. Quand vous allez finir ce rang-là, vous allez l'unir exactement comme le rang 2 et commencer tous les rangs comme le rang numéro 3. Vous allez faire ça durant 6 rangs si c'est pour une taille adulte. Maintenant, comme je vous le répète, si c'est pour une taille adolescente ou vraiment enfant, une plus petite tête, ou si c'est pour un homme et que donc du coup, il faudra bien 2 cm de plus par exemple pour le tour de tête, n'hésitez pas à faire un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépendra la taille. Donc une fois que vous avez fait vos 6 rangs, si c'est pour une taille adulte, on va commencer ici le point tressé. Donc c'est très facile, on va travailler en double bride, toute la hauteur du bonnet. Uniquement à la fin, au niveau des diminutions, on travaillera également en bride. Donc, pour ces 2 rangs qui se répètent, donc pour le rang tressé, on commence en faisant une maille coulée, en enveloppant les 3 mailles en l'air, comme on faisait d'habitude. Maintenant, on monte avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4.
4 parce qu'on travaille en double bride comme je viens de vous préciser. 2 jetés sur le crochet. La bride suivante qui est en relief par derrière, vous allez la prendre en relief par devant. Et vous allez faire une bride en relief par devant, une double bride, pardon, en relief par devant. Maintenant, on fait notre premier croisement. Donc, vous allez venir passer derrière ces 2 doubles brides, derrière, voyez. Et on va travailler dans les 2 brides qui sont ici. Donc, dans ce premier rang, vous ne devez pas faire attention si vous avez des brides en relief par derrière ou des brides en relief par devant. C'est vraiment tout le point, ça va être en relief par devant. Donc, ne vous posez pas la question. Donc, pour cela, on passe derrière ces 2 doubles brides, comme je vous ai précisé. Et vous attrapez la première des 2 brides qui précède ces 2 doubles brides. Donc, 1 et 2. Vous voyez, il y en a 2 ici. La première, celle qui est en relief par devant. Vous l'enveloppez ici en relief par devant. Et vous avez jusqu'à faire pivoter. Vous voyez? Comme ça, les 2 doubles brides, elles restent devant. Et là, vous faites votre double bride en relief par devant. Donc, 2, 2 et 2. Maintenant, 2 jetés. On passe de nouveau derrière ces 2 doubles brides qu'on a fait en premier. Et on attrape la deuxième bride ici, en relief par devant. Vous voyez, vous faites glisser votre crochet et vous faites votre deuxième double bride. Ça, c'était le croisement de départ. Maintenant, ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Donc, 2 jetés sur le crochet. On va se concentrer ici sur les 4 prochaines brides. Donc, on en a 1, 2, 3 et 4. On vient sauter la première, la deuxième et la troisième. Vous faites une double bride en relief par devant. 2 jetés. La quatrième en relief par devant et vous faites une double bride en relief par devant. 2 jetés. On passe de nouveau au croisement. Donc vous passez en dessous ces 2 doubles brides qu'on vient de faire. Et vous venez attraper la première bride des 2 qu'on est venu sauter. Donc celle qui est en relief par devant. Vous l'attrapez. Et vous faites ici une double bride en relief par devant. 2 jetés. On passe derrière ces 2 doubles brides de nouveau. On attrape la bride ici. La deuxième. En relief par devant. Et vous faites votre double bride en relief par devant. Ce geste est vraiment très facile. Hein, vous allez le voir en le crochetant. En fait, au bout de, on va dire, allez, du quatrième croisement, vous c'est acquis complètement. Donc le rang ensuite, ça va très très vite. Ne vous inquiétez pas. Donc on continue, on va le faire encore une fois ensemble et ensuite vous ferez ça tout le tour. 2 jetés. On se concentre sur 1, 2, 3 et 4 brides. La troisième, vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites votre double bride. 2 jetés. La quatrième, en relief par devant et vous faites votre double bride. 2 jetés. On passe en dessous ces 2 doubles brides et vous venez attraper la première des 2. Ici on en a 1, 2. La première, vous l'attrapez en relief par devant, évidemment. Et vous faites votre double bride. 2 jetés. On passe de nouveau sous ces 2 doubles brides. Et on vient attraper la deuxième qu'on est venu sauter en relief par devant. Voyez? Vous ramenez votre fil. Double bride en relief par devant. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer ici le rang. On compte maintenant, donc après le dernier croisement, vous allez venir compter. Donc vous venez bien, vous voyez le croisement qu'on a fait, les brides ici, la quatrième maille en l'air sur laquelle on doit piquer pour unir, se trouve orientée vers la droite. Donc vous venez ici, vous piquez et vous faites une maille coulée. Maintenant, on va venir commencer le deuxième rang, qui est le deuxième de répétition. Donc pour cela, vous enveloppez les 4 mailles en l'air en relief par devant. Et maintenant, vous faites 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. 2 jetés, vous avez une double bride à côté. Vous allez venir l'envelopper en relief par devant. Et vous faites votre double bride en relief par devant. Maintenant, on fait le croisement. 2 jetés. Et maintenant, au lieu de passer par en dessous comme on faisait tout à l'heure, on passe par au-dessus. Donc ici, vous avez 2 doubles brides légèrement enfoncées par derrière. Vous voyez? Ben, c'est celle-là qu'il va falloir envelopper en relief par devant. D'abord, la première double bride et la deuxième double bride. Là, on a fait le premier croisement.
Et bien ça, c'est ce qu'on va venir répéter, ben, écoutez, en permanence, jusqu'à terminer le rang. Deux jetés. On se concentre maintenant sur les quatre prochaines doubles brides. Il y en a deux enfoncées ici et deux orientées vers la droite. Vous enveloppez d'abord les deux vers la droite, donc une, et vous faites la deuxième. Maintenant, deux jetés. Maintenant, on passe par-dessus. Et vous prenez les deux qui sont légèrement enfoncées, vous voyez. D'abord, la première. Et la deuxième. Là, vous avez refait un croisement. Et bien, ça, c'est ce que vous allez répéter en permanence. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, ça va vraiment vite, vous allez voir. Vous faites deux jetés, vous enveloppez les deux. Deux jetés, on passe par devant, on enveloppe ici les deux qui sont enfoncés. Hop, une et deux. Vous voyez? Donc, au bout d'un moment, le geste, il est vraiment très rapide. Il faut juste s'habituer, comme je vous ai montré des croisements. Et ensuite, ça va tout seul, vraiment. Donc, n'ayez pas peur du point, vraiment. Il est très facile, mais ça donne un effet juste magnifique. Donc là, je vais le refaire encore une fois très doucement avec vous. Je ne veux pas que quand ça coupe la séquence, en fait, vous ayez un doute. Donc ici, vous avez deux orientés vers la droite, rappelez-vous. Vous enveloppez d'abord la première, vous faites votre double bride. Ensuite, la deuxième. Et maintenant, deux jetés, on passe par le dessus et vous enveloppez ces deux doubles brides enfoncées. D'abord, la première. Et ensuite, la deuxième. Comme ceci. Ça, vous allez le faire tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé le rang. On pique maintenant dans la quatrième ici, maille en l'air de départ. Et on vient faire une maille coulée. On commence maintenant la répétition du rang numéro 1. Mais comme on n'est pas sur le point élastique, donc du coup, ce que je vais faire, c'est vous remontrer de nouveau le rang 1 et le rang 2. Et c'est vraiment ce que vous devez répéter ensuite par vous-même. Donc, on enveloppe, quoi qu'il arrive, toujours le départ du rang, les mailles en l'air du rang précédent, en relief par devant. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On enveloppe la double bride suivante qui est juste à côté. Vous l'enveloppez et vous faites une double bride. Deux jetés. Maintenant, on passe, rappelez-vous, par en dessous, puisqu'on alterne une fois par-dessus, une fois par en dessous. Donc, vous venez par en dessous cette fois-ci et vous enveloppez les deux qui sont orientés vers la gauche. D'abord, la première, vous avez jusqu'à passer le crochet et regardez, vous le levez légèrement et ça sort. Ici, double bride. Une, deux et trois. Deux jetés. De nouveau, on passe par en dessous, on attrape la deuxième. Maintenant que c'est bon, vous allez venir tout simplement ici les faire glisser en dessous les deux. Vous ramenez le fil. Donc ici, je le refais, ça m'a juste échappé. Mais en vérité, je vous promets que c'est facile. Hein, et vous faites votre double bride. Maintenant, on refait un croisement parce que ça, c'est vraiment le croisement de départ, mais c'est toujours pareil. Hein. Deux jetés. On se concentre sur les quatre prochaines doubles brides. On en a une, deux, trois et quatre. D'abord, on enveloppe la troisième et la quatrième qui sont enfoncées. Vous enveloppez la première et vous faites une double bride en relève par devant. Et vous enveloppez celle qui est à côté, la deuxième. Maintenant, de nouveau, on finit le croisement en faisant deux jetés. On passe par en dessous. Et on enveloppe d'abord la première, ensuite la deuxième, de celles qui sont orientées vers la gauche. Donc la première, double bride en relief par devant, et la deuxième. Vous passez par en dessous, vous attrapez celle qui est à côté. Vous faites glisser comme ça les deux doubles brides, vous ramenez votre fil, et vous faites votre deuxième double bride en relief. Vous voyez, là, on a refait un croisement. Et comme vous pouvez voir, ça commence déjà à prendre bien forme. Donc, vous allez continuer comme ça, tout le tour. De la même manière que je viens de vous montrer. Une et deux. Deux jetés, on passe par en dessous et on enveloppe les deux qui sont orientés vers la gauche. Une. Et donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout le tour.
J'ai complètement terminé. On unit maintenant à la quatrième maille en l'air de départ, par une maille coulée. On commence la répétition du rang numéro 2. Donc ici, quoi qu'il arrive, comme je vous avais dit tout à l'heure, on enveloppe les mailles en l'air en relève par devant. Maille coulée. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on enveloppe la double bride suivante en relève par devant. Deux jetés. On enveloppe maintenant les deux ici, mais en relève par devant parce qu'on alterne. Donc, une. Et elle d'à côté, donc la deuxième. C'est vraiment la répétition du rang 2. Et là, on a fait le premier croisement. À partir de là, c'est une question de répétition. Vous enveloppez d'abord celles qui sont orientées vers la droite. Une double bride et celle d'à côté, donc la deuxième double bride en relief par devant. Deux jetés, on passe par devant et on enveloppe les deux qui sont disponibles et renfoncées. Une et la deuxième. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Vous unissez normalement dans la quatrième ici, qui est là. Maille en l'air, maille coulée. Et maintenant, tout simplement, vous allez répéter les deux derniers rangs jusqu'à avoir au total environ 15 cm, 14,5 plutôt. Donc, je vais venir continuer et je vais vous dire au total combien de centimètres j'aurais fait. J'ai terminé ici la hauteur totale du bonnet que je souhaitais. Je vais venir ici vous mesurer pour vous donner une idée. J'ai crocheté ici 14,5 cm. Donc quand c'est bon, vous vous arrêtez. Il faut finir par un rang ici. Tout simplement de croisement que l'orientation est vers la droite. Donc maintenant, on enveloppe ici une première double bride. Donc la première, les mailles en l'air, vous voyez, du rang précédent. En relief par devant et vous faites une maille coulée. On monte avec une et deux mailles en l'air. La deuxième double bride à côté, on l'enveloppe en relief par devant également. Et on fait une bride sans terminer. Et là, on termine les deux ensemble. Un jeté. On fait notre croisement. On va diminuer quand même au croisement. Donc, c'est par devant. Vous voyez? Ici, les deux brides, les deux doubles brides enfoncées. Vous attrapez d'abord la première. Vous faites une bride sans terminer. Vous attrapez la suivante. Une bride sans terminer et on les termine ensemble. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, vous voyez, on a fait le croisement avec les diminutions. Donc, de deux doubles brides à chaque fois, on est passé à une bride. Donc, maintenant, on recommence ça jusqu'à terminer. Donc, ici, les deux doubles brides qui sont orientées vers la droite, j'enveloppe d'abord la première, bride sans terminer. La deuxième, bride sans terminer et là, je termine les deux ensemble. Un jeté, je fais mon croisement et je diminue en même temps. Donc je dois venir chercher les deux doubles brides qui sont enfoncées ici. Donc j'enveloppe d'abord la première bride ici sans terminer et la deuxième bride sans terminer et on les termine ensemble. Là on a refait, vous voyez, un croisement. Ben ça c'est ce qu'on va faire en permanence. Donc j'ai envie de le faire encore une fois avec vous pour pas que vous ayez des doutes. Ici, les deux doubles brides orientées vers la droite. J'enveloppe d'abord la première en relief par devant, bride sans terminer. La deuxième, bride sans terminer, je termine ensemble. Un jeté, je croise, donc je passe par devant et j'attrape les deux doubles brides ici qui sont enfoncées, vous voyez. D'abord la première, bride sans terminer, et la deuxième, bride sans terminer. Et je les termine ensemble. Donc, vous répétez ça jusqu'à terminer. J'ai complètement fini le rang, je l'ai uni. Ici, après ma dernière diminution, donc le dernier croisement. Tous les croisements, vous voyez, de diminution, se font vers la gauche. Maintenant, on passe au rang suivant. Donc là, on va faire que des brides normales et on va venir pas travailler en relief du tout. Parce que sinon, ça va être vraiment difficile. Alors, ce que vous allez faire, c'est trois mailles en l'air. Et vous faites votre croisement par en dessous, mais en piquant sur la diminution et en faisant une bride normale. Donc vous piquez et vous faites ici une bride normale. On va de nouveau se concentrer sur l'orientation de gauche ici et la diminution qui est en dessous. D'abord sur celle qui est en dessous, vous voyez, il y a l'orientation ici à gauche et en dessous, il y a la diminution. Bride, on passe par en dessous et on pique ici dans la maille qui est en dessous.
hop, et vous faites une bride. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout le tour. Donc ici, c'est pareil. On a une maille là, une maille là. Regardez, juste en haut, ne vous cassez pas la tête. Donc c'est très facile. Vous sautez une maille, dans la suivante, une bride. On passe par en dessous. Dans la maille qu'on est venu sauter ici, vous piquez, vous faites une bride. Et on recommence ça tout le tour. Vous regardez vraiment les mailles en haut. Vous allez dans la suivante, une bride. Vous régressez par en dessous, vous allez dans celle qu'on a sautée, une bride. Donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Je suis ici sur le point de terminer, j'ai fait mon dernier petit croisement, vous voyez, dans les deux dernières mailles. Et maintenant, vous venez chercher la troisième maille et vous faites une maille coulée. Comme ceci. Toutes les orientations sont vers la droite. Maintenant, ça va être un rang très simple. On va en faire deux mailles serrées. Donc, le premier rang, une maille en l'air déjà. Et on va venir piquer dans toutes les petites V. Que ça s'est formé en fait automatiquement en faisant le croisement. Vous voyez, vous les écartez, il y a un petit espace. Donc, vous allez dans le premier, vous piquez au milieu et vous ramenez le fil. Vous ne terminez pas cette maille serrée. Vous allez dans le suivant. Hop, entre les deux brides dans l'espace et vous faites ici votre diminution. On va de nouveau entre les deux brides croisées, vous introduisez le crochet au milieu, vous ramenez. Vous allez dans la prochaine, vous ramenez et là on termine ensemble. Ça c'est ce qu'on va faire tout le tour. Ici au centre du croisement, vous introduisez, vous ramenez. Au centre du croisement prochain, vous piquez, vous ramenez et vous terminez ces boucles ensemble. Et c'est reparti. On pique, on ramène. On pique, on ramène. Et on termine. On pique, on ramène. On pique, on ramène. Et on termine. Vous allez voir que là, le bonnet, en fait, va complètement, quasiment se fermer. Donc, on continue. On pique, on ramène. On pique, on ramène. Et on termine. On pique, on ramène. On pique, on ramène et on termine. Vous remettez tout bien en place à chaque fois. Il y a une jolie forme. On pique, on ramène. On pique, on ramène et on termine. On pique, on ramène. On pique, on ramène et on termine. Ici, j'arrive au départ du rang. Donc, vous l'unissez normalement à la première diminution par une maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir actuellement. Maintenant, une maille en l'air et on fait de nouveau que des diminutions. Vous piquez, vous ramenez dans la première maille, vous piquez, vous ramenez dans la deuxième maille et on termine. Et de nouveau, on fait ça tout le haut du bonnet. On pique, on ramène et on termine. On pique, on ramène, et on termine. On pique, on ramène, et on termine. On pique, on ramène. On pique, on ramène et on termine. Vous voyez, le trou, en fait, il est quasiment inexistant. Maintenant qu'on a fait ceci, vous piquez au départ du rang et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et maintenant, vous venez couper ce fil-là. Vous faites une, donc la maille, après la maille en l'air, vous tirez le fil, tout simplement. Ce fil-là, vous allez le placer dans une aiguille à laine. J'ai placé le fil dans l'aiguille à laine, donc maintenant vous allez venir passer dans le haut du bonnet, dans toutes les mailles, pour pouvoir resserrer le trou. Donc peu importe comme c'est fait, de toute façon ici il y aura le pompon, comme ceci. Vous voyez en haut en fait, vous avez ce motif-là qui apparaît. Vous voyez comme un rond ajouré, là c'est où va aller le pompon en fait. Maintenant que c'est bon, vous faites un petit nœud comme ça. Vous venez piquer dans le bonnet et une fois que c'est passé, derrière, vous allez cacher le fil. Ça, vous allez le faire donc avec tous vos fils, vous les cachez. Et ensuite, que je vous montre bien la forme du bonnet, vous voyez, vous avez ici le bonnet complètement fini. Vous allez venir prendre le pompon que vous avez choisi. Donc moi, par exemple, ici, j'ai choisi le rose qui va très très bien avec le bonnet, ça fait bien girly. Et j'adore en fait, personnellement, quand je touche, je prends des touches comme ça, bien colorées, je m'habille sobre et je mets ça en haut, ça fait vraiment très joli. Donc,
avec le crochet, vous passez par en dessous, vous visez une moitié, vous récupérez le fil du pompon et vous le faites glisser à l'intérieur. Vous piquez dans l'autre moitié, vous prenez le deuxième fil du pompon et vous le faites glisser. Une fois que c'est bon, vous allez venir tout simplement à l'intérieur faire des nœuds. Donc soit vous faites des nœuds, soit ce que vous allez faire, c'est faire un nœud comme ça, comme dans les baskets, et laisser à l'intérieur le temps que vous portiez ce nœud-là provisoire. Comme ça, vous pouvez échanger les pompons ou l'enlever au lavage. À vous de voir. Personnellement, je vais le fixer. Donc, on fait que des doubles nœuds. On en fait plein si c'est vous faites comme moi. Et vous coupez. Maintenant, je cache tous mes autres fils et on se retrouve. J'ai ici les deux bonnets terminés. Donc, celui-là, j'ai caché les fils. Donc, c'est celui qu'on a fait ensemble. Et celui-ci, c'est celui que j'avais fait avant. Donc, voilà le tutoriel terminé. J'espère que vous avez apprécié donc ce tutoriel, que vous le réaliserez en pleine couleur. C'est vraiment trop joli sur la tête. Je vais vous faire des photos. De toute façon, je vais les essayer les deux. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très beau. Donc, voilà. J'espère que mon tutoriel, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous !